Eh bien salut à tous, c'est Caméléon, on se retrouve pour cet épisode 3 de Final Fantasy XV et on avait fini la mission avec Dev, comme quoi on devait lui rapporter une médaille, enfin bref, voilà, on avait vu que c'était pas trop la joie. Malheureusement, voilà, hein, c'était sur quelqu'un de mort. Donc après, bah voilà, on va finir cette mission, le transporteur, se diriger vers la baie de Galdina. Il me semble que ma bagnole elle est par là. Alors je sais pas du tout où elle peut se trouver. Passe la nuit ici? Dormir sous la tente, ça me va aussi. Ah bon? Ouais, c'est pas plus mal aussi des fois d'aller au camping, hein. On peut voir. Alors attendez, hein. La carte c'est comment? Ouais, la carte c'est R3, putain. Ça fait un petit moment déjà. Alors ma bagnole est là. Ouais, on va retourner à la voiture. Voilà, on est là, on est arrivé à notre bagnole parce que je sais pas pourquoi elle était là déjà. On va conduire. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est le Hammerhead. Ok. Là-bas il y a des campements. Et sinon, je vais d'abord regarder les quêtes. Le transporteur, c'est en bas. Sinon, j'ai ma chasse, on va dire. Mais vous savez quoi? On va faire la chasse. Non, je vais pas payer, Bon, même si vous êtes c'est tous que 10 prêts? giles. Ouais. Bien Ok, sûr qu'on est prêt. on y va. Donc voilà, on va se diriger tranquillement à la chasse. Parce que ça fait quand même de l'expérience en plus, des niveaux en plus du coup. Et je pense qu'il va nous en falloir dans cette aventure. On va pas aller direct comme ça dans le tas, ça serait un peu débile quoi. Il faut apprécier la chose, on va dire, parce qu'on va se retrouver contre après des gros niveaux, je pense. Ok, pourquoi tu t'arrêtes? On a la priorité, mais bon. Ouais, donc voilà ce que je disais. On va pas rentrer dans le game comme un débile. Après se retrouver bloqué, quoi. Il faut anticiper la chose. Donc là, c'est à 200 mètres. Je pense que je vais m'arrêter ici. Ignis, Voilà. arrête-toi ici. Entendu. Arrête-toi là. On va aller Ça se faire ces recommence ennemis la là-bas. randonnée? Ah bah oui, il faut bien marcher un jour. Hein. On va pas tout le temps être en bagnole. Oula, lui, il veut pas. Il a pas l'air de s'arrêter. Mais on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les menhirs. Un peu bizarre comme nom, mais tant qu'on les fume, c'est l'essentiel. La petite musique qui arrive dès qu'on arrive dans la zone. Ah, c'est cool la musique, j'aime bien, elle met de l'ambiance, tu vois. Déjà, tu te sens un peu dans le game là. Une autre baston, vite fait, bien fait. Je crois que c'est l'occasion rêvée pour engranger des points d'expérience. Eh oui, Parce que c'est tu pour crois ça que qu'on c'est fait mauvais? ça. Un peu que c'est un jeu. Je veux améliorer mes stats. Le mec qui l'a créé était dans l'air. Non, j'allais dire dans RPG, mais nous sommes dans un RPG. Bien joué. Putain, par contre, ils me mettent Ouais. cher. Toujours en prime. Ah, va falloir que j'utilise des trucs là. Ignis, qu'est-ce que je fais? Ah, les dagues, elles ont l'air d'être un peu plus critiques. Ah non, pas du tout. Petite esquive. Vite, garde. Eh oui, pas de problème. Ok, allez, fais-moi un tourbillon parce que là on est un peu dans la merde. Allez encore, voilà. Putain, par contre, il me focus à mort les ennemis. Oh oui, la liaison. Eh non, tu m'auras pas. Oh merde. Vite une potion. La parade. Allez, combo. Petite attaque éclipse. Alors désolé si vous voyez rien là.
La parade, si on peut faire un combo. Allez. Allez, un de moins. Oh merde. Allez, soigne-toi, Noctis. Je régène ici un peu. T'inquiète pas, mais encore. Allez, mets-lui une belle balle. La peur va changer de corps. Bien joué, Franco. Allez, on l'a bientôt fini. Il lui reste plus rien du tout. Il est où d'ailleurs? Il est là-bas, là, à côté du rocher. Eh, hey, il veut s'enfuir, hein. Ouais, tu restes ici. Allez, l'attaque combo. Si je prends les dagues. Tiens, toi tu veux t'échapper, je sais pas ce que tu veux faire, mais... Tu restes ici, mon gars. Parade, contre-attaque. Appuie sur quelqu'un. Bah oui, mais ça, mec, on l'a pris depuis le début. La petite attaque éclipse, on l'enchaîne. Et voilà. Il en reste un dernier. Lui, il a plus de vie, faire gaffe. Allez, fais-nous un petit tourbillon. Bim! Oh, comment elle a fait mal cette attaque. Merci. Oh yeah. Ouais, on a eu chaud cette fois. J'ai bien cru qu'on était cuit. Rester en vie, ça me va parfaitement. Faites un rapport à l'informateur. Ok. C'était pas évident. Voilà, on retourne à notre bagnole. Conduire automatiquement. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. On y va? Ah d'accord, en fait, il reprend la destination que j'avais mis avant. Bon, remarque, c'est la ville qu'il me faut, donc... ça m'arrange aussi. Hey, allez, on va se garer. Tu ne dirais pas de faire une petite pause? Ouais, je meurs de soif. Raison suffisante pour s'arrêter. Ah, l'occasion de perdre du temps et de l'argent. Tu m'étonnes. Mais bon, ils ont une faut bien... collection ici. Ouais, faut bien aller faire le rapport de mission. Dans ton genre. Oh, le plein, on va pas le faire. On est un peu full. Ça sert à rien. Eh, hey, bonjour. Qu'est-ce que vous ferez? Le mec, il était pas bien. Belle performance. Bah oui. C'est pas mal ça, super élixir en plus, ça pourra nous aider un de ces quatre. C'est tout? T'as pas d'autres infos sinon? Vous voulez des infos sur la région? Eh oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Bah dis-le-moi. Ah. Il m'a donné des points de récolte. C'est tout, bon. C'est toujours ça on va dire. En contrat de chasse, qu'est-ce que t'as? Alors là... Ouais, la mission 5 niveaux est un peu corsée quand même. On va prendre celle-là. Dis donc, vous êtes courageux. Pensez à bien vous équiper. Ouais, t'inquiète. C'est juste que là, va falloir que j'aille dans un petit camp. Histoire de prendre un peu de niveau. Avec le plein, on en a pas besoin. On va remonter dans la régalia. La chasse est ici. Mais j'ai pas assez de niveau. Donc du coup, bah... Non. Mais je vais pas faire une quête, en fait. Ouais. Ouais, on va aller là. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. En route. Bon, par contre, hein, les trajets en voiture sont pas très intéressants, je trouve. C'est ce qui est dommage, en fait.
Ils auraient pu trouver un truc plus fun, histoire qu'on la contrôle. C'est pour ça qu'en fait je fais automatique, parce qu'en fait ça sert à rien, tu la contrôles pas vraiment. Alors. Ah. Quelqu'un semble être en détresse. Vite, on va sortir. Certaines destinations ne sont pas affichées précisément. Fouillez le périmètre indiqué sur la carte jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous cherchez. Gare-toi, allez. Bien, quel est le programme? Putain, hey, ils sont pas pressés, hein. Le gars il peut mourir sur place. Tiens, c'est pas lui là, derrière le rocher? Alors, qui es-tu? Utiliser une potion, oh, allez, merci. C'est gratos. J'ai eu chaud. Excellent travail, les gars. Putain, on a rien fait de spécial. Allez hop, 300 d'XP. 500 giles. Ah, moi je veux bien des missions comme ça plus souvent. Alors c'est très important aussi que je regarde... Je regarde un truc derrière. Que je regarde aussi le... Elle est trop bien pour moi. Le temps. De points communs. Quel niveau de la journée là, il est 16h. Quand on aura fini, j'irai la voir. Ça va être pas mal de se reposer parce qu'après ça va être tendu, je pense. Putain, c'est quoi cette tempête? On est bientôt arrivé à destination. Comme ça on va aller pouvoir se reposer, prendre de l'XP. Merci pour la priorité. C'est pénible. J'ai l'impression d'être aveugle. Ouais, faites pas vos chouchottes. Hein. Vous êtes des warriors ou pas? Alors, le camp, il se trouve juste ici. Ah, mais non. Ouais, c'est carré pour mettre un repère. Enfin, j'ai oublié un peu les commandes. Ça va, il est à 100 mètres. Ça va se faire vite fait. Parce que rouler dans une tempête comme ça et tout, peut-être qu'il y a des ennemis un peu bizarres. C'est quoi ce panneau? Ça dit, il y a des bêtes cheloues là-dedans. Tiens, le sanctuaire, on va voir si on peut récupérer les essences. Yeah. Il m'en faut encore plus. Histoire qu'après, je crée des sorts et tout ça, que je les mette plus puissants. Ah, on arrive au maximum de l'électricité. Le feu, il est de l'autre côté. Allez, on va chercher ça. Non, non, attends. Je vais prendre le feu et après, on se repose. Voilà, le feu, il est là. Voilà. Allez, maintenant, si tu veux, on peut aller se reposer. On va monter à l'arrache, hein. Rien à foutre. Camper. Eh oui. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ok. C'est bon. On monte la tente. Qu'est-ce que t'as de beau à nous proposer, toi? Non, je vais pas prendre un truc de ouf. Pour l'instant, je vais prendre juste des PV. Allez, fais péter les boules de riz. Allez. Donne-moi du niveau, là. Voilà. J'ai pris deux niveaux. Ce qui pourra me faciliter après. J'ai du PC à mettre. Gain de niveau d'aptitude. Ah, il a pris de la survie, lui. Ça, c'est bien, ça. Il peut trouver des remèdes après les combats. C'est plus intéressant que sa vieille photographie à l'autre. Ok. Classe. Ouais, toujours la classe internationale. Pas la peine de faire une histoire. Je sais pas ce qu'il fait sur cette photo, mais bon. Un vrai boss. Ouais. Faire une histoire. Ok.
Ça me tentait pas trop de camper, mais la nourriture est super. Tu m'envoies ravi. Sérieux, Ignis, t'es trop fort. Si t'étais pas là, je sais pas ce qu'on mangerait. En cas de besoin, il y a toujours des cup noodles. Tu peux pas t'en passer, hein, c'est dingue ça. Oh quoi, toi aussi t'aimes bien ça, non? Ouais, alors. Mais quand tu seras marié, ce sera fini pour toi tout ça. Ah ça, tu ne pourras plus faire ton difficile. Faudra pas sauter le dîner pour ensuite aller te faire des nouilles instantanées en pleine nuit, hein. Ouais, j'essaierai de faire un effort. Voilà, c'est vraiment des chochottes, hein. Alors, on va se faire une petite conduite automatique. Est-ce qu'on tente... Déjà avant, je vais regarder les compétences. Parce que depuis le début, j'en ai pas vraiment acheté, alors que je suis arrivé à 76. Donc là déjà, ah, 32, c'est quoi? Réduit davantage le coût en PM et des esquives automatiques. Ça peut être pas mal. Ici, l'épée à deux mains permet mieux de faire une puissante contre-attaque et dégager l'ennemi. Ça, on va prendre. Parce que il peut nous aider après, là, quand elle est par terre. Ok, là, il y a beaucoup de Glaudius. Premier tir. Permet à Pronto de faire une attaque spéciale au début d'un combat. Augmente la jauge de commande. Très intéressant aussi. On prend. Analyse. Permet à l'ennemi automatiquement le plein des ennemis au début des combats. Ça, on va prendre aussi. Parce que après, ça sera très important de savoir la faiblesse. Ok, donc en haut, en bas, c'est Ignis, à droite, tout. Ok, en haut, c'est un peu tout le monde, c'est ça. Permet d'effectuer une puissante attaque sur un ennemi mis à terre. Étant donné que lui peut la mettre à terre, je vais prendre aussi. Parce que ça peut bien se compléter, en fait. La machine permet à Pronto de mettre en état des mains. Non, on va regarder un peu ce qu'il y a sur les autres. Voilà, 99, on peut oublier. Ah, il y avait un truc, c'était 16. Permet à Noctis de s'équiper de deux accessoires à la fois. On va prendre, ça pourrait toujours servir. Ouais, ok, donc après, oui, c'est les compétences. Augmente les points de compétences gagnés lors des nuits passées. Bref. Pensant, je verrai ça plus tard, je pense. Ok, augmente les lésions, ça peut être pas mal. Ça aussi. Permet d'analyser plus rapidement les ennemis. Non, je suis pas trop en pause stratégique. Ici. 24, ça peut être un peu chaud. Ça, je verrai plus tard. Premier soin. Ouais. Ok, ici, c'est les soins, en fait. Permet d'augmenter la défense d'un allié en danger au moment de se relever. Eclipse, augmente la vitesse de la régénération de Gnis quand il est suspendu. Bon, j'ai pas besoin d'être speed hein, quand je régénère. Commande par combativité permet d'augmenter la jauge de... Ouais, de toute façon, j'ai pas assez de PC. Ouais. Rassembler les alliés pour annuler l'attaque. Ouais, bof, je sais pas trop encore. Ouais. Pour l'instant, je verrai ça après. Ça, ça peut être pas mal. Parce que dépenser des MP à chaque esquive, c'est un peu compliqué. Hein. Après, dans le combat, on est un peu en galère. Voilà, donc déjà, ça sera déjà pas mal. Aptitude, bon, ça, on s'en fout. Magie, lui, il a le feu. Donc pour l'instant, je garde ça. L'équipement, on n'en a pas eu. On n'en a pas eu depuis. Tiens, je peux mettre deux accessoires. Est-ce qu'il y en a un autre? Non. Peut-être que les autres, ils peuvent en avoir un. Non plus. Attendez, lui, il peut pas prendre une autre... Tiens, on va lui mettre des sorts. Ça pourra toujours servir. Lui, il a déjà ce qu'il faut.
Et lui, il a rien. Donc je vais laisser comme ça. Voilà. Je pense qu'on va aller faire cette chasse. Elle pourra être très intéressante. Et bah ouais. Non. La quête. On va aller là. Vous êtes tous prêts? Ouais. On y va? Bah oui, on va pas aller dans la bagnole pour ne pas y aller. Arrête-toi ici. Entendu. Ok, on arrive sur notre lieu de chasse. On a besoin d'exercice. Ah bah là, on va en avoir. On va en avoir, les gars. Alors, on doit tuer des Tauti albinos. Ok, on les a vus. Il y en a trois. Je pense que ça va être tendu. Hein, parce que là, la mission, elle est recommandée pour niveau 7. On vient d'être niveau 7. J'espère qu'avec les compétences que j'ai prises, ça va le faire. Je crois que nous avons trouvé notre cible. Ouais. Et on va leur faire une petite attaque. Allez, c'est parti. Oh oui. Alors, je crois que les vengeresses... Merde. Essaye de me relever, non? Merci. Je sais pas ce qu'il a fait. Merci pour le coup de main. Oh, allez, t'en fais pas, mon pote. Ça arrive même dans les guerres, tu sais. Waouh. Ah, je prends cher. Merci. Merci pour le coup de main. Je vais quand même lui mettre une potion, parce que là, je suis en train d'être en PLS. Quelle rapidité. Le dague, ça leur fait mal. La petite parade, le combo qui va aller derrière, non? Ah, je l'ai peut-être mal fait. Ouh, la liaison. Allez, on en a déjà tué un. Les deux autres, ça va être assez simple, je pense. Je vais prendre la potion. Je vais me mettre en éclipse. Allez. Voilà, caméra, par contre, à côté du rocher, bof quoi. Allez, la parade avec un combo derrière, non? En tout cas, ça lui a fait très très mal. Belle performance, Tom. Merci. Et voilà, et le dernier, on le finit. Évidemment. On a eu chaud, quand même. Ouais, c'est vrai. Ah, Glaudius a trouvé le remède. Ça, c'est cool, ça, par contre. Du coup, va falloir faire un rapport. Franchement, je vais y aller en trajet rapide, hein, parce que... Non, je veux pas aller là. Je vais aller là. Ouais. Non. Ah, c'est que avec la voiture qu'on peut faire les trajets rapides. Et elle est où la voiture? Ah oui, c'est vrai qu'elle est garée là-bas. Dans ma chaussure. T'as qu'à l'enlever? Ouais. Bah oui. Fais pas le débile, retire-le. Hein. Alors, on a un objectif là-bas à 500 mètres, je sais plus c'est quoi. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. Ouais.
Mais par contre, là, en fait, tu vas pas dans la direction que je souhaite. Ah si. Ah si, il y va. Ouais, allez, c'est bon. J'en ai marre. On va faire des courses. Bonne idée. Bon, on va déjà donner le rapport de quête. Et après, on fait les courses si vous voulez. Épouse-toi. On n'a pas le temps. Vous mangez à votre faim, au moins. Ouais, t'inquiète pas. Vous êtes doué. Mais mec, tu croyais quoi? 1500... Ah, on a chopé une armure, ça c'est pas mal. Bon, je vais te prendre des informations. Pareil, tu me donnes que des points de récolte. Vous pouvez éliminer la vermine? Ouais, mais apparemment on peut pas. Ah, parce que c'est de nuit. Vous devez être grade 2. Ok, bon bah déjà au moins on a fait tout ça. Ouais, bah ouais, j'ai pas trop pu manger dans ton bar, mais on reviendra quand même. Putain, la mission principale, elle est à 4 km, ça a fait de la route, hein, putain. Du coup, on a chopé un équipement. On va équiper ça tout de suite. Il donne plus de santé. Et étant donné que je prends cher avec Noctis, je vais mettre pour lui. Je sais que je fais le crevard, mais bon, c'est comme ça. Du coup, lui, là, quoi? Il a des armes un peu à proposer, là? Je viens ici, c'est pour regarder. Hein. Alors, je vais la prendre pour Noct. Les affaires sont les affaires. Tout à fait. 78, mais j'en ai une en stock apparemment. Ouais, il l'a déjà, notre ami Glaudius. Pareil, le Vengeresse. Lui, il l'a aussi, donc c'est bon. J'aurais juste à mettre l'arme pour Noctis. Voilà, à place de ça, on prend ça. Ah, ça me réduit je sais pas quoi, peut-être la vitesse, enfin bref, c'est pas grave. Conduire automatiquement, bah oui. Et on va choisir pas le parking, une quête, et on va aller finir cette putain de mission. Vous êtes tous prêts? Ouais, on y va.
D'accord, on est arrivé au quai. On doit monter dans le bateau maintenant. Allez, petit créneau. Voilà. C'est pas trop tôt. Je me demande si je vais pas faire un plein parce que là, on a quand même fait pas mal de kilomètres. Putain, j'aimerais bien faire un plein comme ça. Voilà, comme ça il est plein pour 10 giles, franchement on va pas pleurer. Il y a un petit marchand d'armes là. Est-ce qu'il a des meilleures armes que là-bas ? Épée large, non. Non plus. T'as rien d'autre. Ah par contre lui il a des... Il a quelque chose d'intéressant. Je vais en prendre 3 pour les autres. Les affaires sont les affaires. Bah ouais. Une protection de cheville rendant hommage à un simple soldat. Elle augmente un peu la constitution. Putain, 1000. Ah ouais, ça fait mal. Non, je vais attendre. Allez, à bientôt. Allez, salut. Alors, on va mettre ça tout de suite. Parce que eux, ils ont pas d'accessoires. Donc, du coup. Moi, comme ça, ils vont être équipés de la tête aux pieds. Toi, tu peux pas mettre une autre arme ou un truc comme ça, non. J'aurais dû lui prendre un deuxième flingue, tiens. Mais je verrai ça plus tard. D'abord, on va voir ce qui se passe dans cette ville. Monter dans le bateau. Ah non, je vais peut-être prendre l'autre pont, ce sera mieux. Même si je pense qu'il peut nager, mais bon. Ah. Examinez. Notre communauté a besoin de vous pour la protéger. Rendez-vous au restaurant le plus proche et prenez part à la chasse. Ok, donc ici ils ont d'autres missions de chasse. Assez intéressant. Un magasin. Ouais, je vais t'acheter des potions parce que j'ai pris cher la dernière fois. Merci pour tout. Bah de rien. C'est plutôt moi qui va te remercier. Ah, de l'antidote, j'en ai pas. On sait jamais, il suffit qu'on tombe sur des ennemis qui nous empoisonnent et tout. N'hésitez pas à revenir. Vaut mieux prévenir que guérir, j'ai envie de te dire. Oh, ça se tape avec de l'eau, tiens. Ah, c'est quoi ça? Fragment de métal. Sans doute pour constituer un petit truc. Assez sympa hein, quand même leur petit truc là, leur petite île. Bienvenue à Galdina. Ouais, je t'en prie. Nous n'avons pas le vent en poupe. Hein? Le bateau, vous voulez le prendre? Ouais, pourquoi? Eh bien, hélas, il n'y en a pas. T'es sûr de ça? Libre à vous d'attendre, si vous voulez. Personnellement, j'ai mieux à faire. C'est peut-être à cause du traité de paix. C'est quoi ça? Une pièce commémorative? Hein? Sérieux? Mais non. Juste de l'argent poche. Hein? Bon. T'es qui, toi, au juste? Je ne suis qu'un humble voyageur. Oh. Et ça. Ouais, c'est bien un homme chelou, vous hein. Vous y croyez, vous, à cette histoire de port fermé? Je trouve ça étrange, mais ça a l'air d'être vrai. Le mieux, c'est qu'on aille voir nous-mêmes. Bah ouais, on va inspecter tout ça, parce que je le sens pas en fait, le gars. Bienvenue à la mer des perles. Tiens, je veux bien des infos. Ils viennent tout juste d'être pêchés. Ok, parking sanctuaire. Ah, ville et lieu de repos, ça c'est intéressant. On a un sanctuaire pas très loin, donc ça c'est cool. Point de récolte, bon, à la base. T'as quoi comme menu? Forcément à la queue du poiscaille, hein. Ah ouais, carrément, t'as un piranha, quoi. Ok, je t'achète rien. Inis, il fait mieux la cuisine. Ouais. Ah là, il y a du level, hein, quand même. Parce que niveau 11, faut y aller, hein.
Apparemment, on a deux missions de crabes. On dirait des crabes géants. Ouais, merci d'être passé chez nous. Ouais, je reviendrai plus tard hein, quand j'aurai du niveau. Hein, parce que là, j'ai pas trop ça en fait. Comment je fais pour ma livraison, moi, alors ? C'est qui eux ? Aucune idée. Ah, il y a un truc à ramasser. Comment je fais pour ma livraison, moi ? Pièce du sacré de l'oracle. On va manger un morceau ? Et là, il y a quoi ? Le spa de Galdina. On peut dormir, mais bon, ça va être payant. Hein. Je préfère aller dans le sanctuaire et je reprendrai un petit bonus à l'occasion. La Cosmo Jaunie. Comment je fais pour ma livraison, moi, alors ? Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert, mais on s'en fout. Putain, ils avaient pas le temps, hein. Ils voulaient y aller. Hein. Qu'est-ce donc ? Horaire de passage du ferry hors service. Je comprends pas pourquoi le port est fermé. Oh, quelle poisse ! Pas un bateau à l'horizon. Je comprends pas pourquoi. Mais moi non plus. Pourquoi y a pas de bateau ? Il a dû se passer un truc bizarre. J'ai trop mangé. Ah. Malheureusement, vous pouvez pas faire grand chose. L'Empire a donné des ordres très clairs. Aucun navire ne doit quitter Alticia. C'est vrai que... arriver à la bourre à son propre mariage, ça l'affiche mal. Moi, c'est Dino. Ah, en fait, je suis journaliste. Une info comme quoi le prince joue au chasseur dans sa belle auto, c'est un scoop. Vous avez de la chance, je suis un reporter très intègre. Vous resterez incognito en échange d'une faveur. Dis-moi tout. Vous avez de la chance, je suis un reporter très intègre, vous resterez incognito en échange d'une faveur. On va t'écouter, hein. Qu'est-ce que tu veux ? Gagner 80 points d'XP. Ah, t'acceptes ? Génial ! Montre-moi ta carte. Qu'est-ce qu'il va nous donner encore celui-là, là ? Je vous ai indiqué l'endroit où chercher. Ramenez-moi des pierres précieuses. Ensuite, j'en ferai des gemmes. Si vous faites ça pour moi, je vous trouverai un joli bateau. Refusez et la tronche du prince sera à la une des journaux. Ok. Donc on va lui ramener ses pierres précieuses et puis comme ça, si on peut avoir un petit bateau derrière. Faut dire, on n'est pas spécialement discret. Même si on l'avait été, ce journaliste aurait trouvé de toute façon. Il peut nous être... C'est Alticia. Bon, ben... j'ai vu que ça se passe à 1 km, ces pièces pierres précieuses. On va y faire un tour. Et j'espère qu'il va tenir parole. Hein. Tiens. Il y a un petit chat. Il y a une quête à me proposer, le chat. Oh, un chat. Tu fais quoi, toi ? Une petite balade ? Eh ben alors, tu t'es perdu ou quoi ? Peut-être que t'as faim, hein ? Eh ben voilà, j'avais raison. Attends un peu. Je vais te trouver un truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner à manger à un chat ? On lui achète du poisson. Ou alors on lui pêche un poisson ? Bonne idée. On va pêcher ? Eh ben oui, on va pêcher. C'est la capacité de Noctis. Un carangue géant. Ok, mais attendez, on va changer de quête du coup. On va prendre celle-là, parce qu'elle a pas l'air d'être... En plus, elle est juste à côté, donc c'est parfait. Et après, on filera là-bas, pour lui donner ces pierres précieuses à ce fameux dino. Putain, il court à peine 100 mètres, il est déjà en PLS, quoi. Mec, va falloir... commencer à faire du sport, hein. À y aller, hein. Sympa les voitures à l'ancienne quand même, elles sont cool. Mon gars, allez vous baigner, je vais aller pêcher hein, si vous voulez. Ah, il y a quelque chose sur terre. Un coquillage étoile. C'est peut-être Starry. Qui sait ?
On va examiner. Ce qui mord à la côte, hein, 40 géants et 40 de Galina. C'est l'heure de la pêche. Bienvenue. La pêche, ça te tente? Ah, donc lui nous vend ce qu'il faut pour pêcher. Ici, j'y vais à la one again. Bon courage. Est-ce que ça marchera? Moi, je pense que ça va marcher parce que c'est pour la mission. Mais hors mission, je pense qu'il va falloir que j'investisse. Commence bien cette pêche. Le leurre a attiré l'attention d'un poisson, enfin. Essayez de le faire mordre en rebambinant la main irrégulière en lui imprimant des dés. Ouais bah ça l'a vite Ok putain, j'ai raté mon coup. Le poisson a mordu. Accroché à l'hameçon. Nice. Le poisson essaie de s'échapper, incliner la canne vers la direction des flèches. Allez, on roule la ligne. La tension de la ligne est très élevée lorsque la tension clignote en rouge. Relâche un peu R2 pour arrêter de tirer et donner du mou. Allez, viens par là. Ah, c'est technique, hein, on dirait pas comme ça, mais... On l'a presque. Viens par là, viens par là. Allez, allez, viens, viens, viens. Yes! Wow. Bien joué, Nob. Putain, 50 cm. Ah, il est balèze hein, quand même. Bon, par contre, il va falloir que j'investisse sur des meilleures cannes à pêche et tout, parce que là, c'est pas trop ça. Hein. Ok. Ouais, bah oui, ça, je m'en doute. Bah ouais, on va arrêter de pêcher. Hein. On a ce qu'il faut, je pense. Allez, on va donner ça au petit chat. Il attend que ça, là, son petit festin. T'as vu ce truc ? Quoi donc ? Quel truc ? D'accord, le mec qui nous dit, t'as vu ça ? Mais il va pas nous dire c'est quoi. Ah, il y a une voiture qui est arrivée entre temps. Par contre, il va faire nuit, va falloir qu'on se repose ici. Hein. Tant pis, hein, va falloir dépenser de la thune. Je sais que je fais très crevard dans ce FF, mais bon. C'est spectaculaire ici! Et cette brise est sympa. Je pensais pas que j'apprécierais autant le bord de mer. Ah ouais? T'es capable de changer d'avis? J'avoue que c'est assez cool hein, quand même, hein. L'ambiance et tout. Il a pas bougé le petit chat. Non, il est toujours là. Tiens mange un petit poisson. Quoi? T'aimes pas ça le poisson cru? Ah, t'aimes bien ça? Mais seulement s'il est cuit, d'accord. Oh, il est relou, hein. Bon, ouais, je vais aller voir la chef et voir avec elle si elle peut te faire ton petit festin, là. J'espère qu'elle va accepter. Merci, je sais. Alors. Dites, vous auriez pas quelque chose qui plairait à un chat ? C'est comme ça que tu dragues les filles? Hein? Quoi? Non, pas du tout. Non, c'est pour le chat, là-bas. Je plaisante. Je connais bien ce matou. Je vais voir ce que je pourrais lui préparer. Sauf que je n'ai plus de poisson. Un client vient de commander le dernier qui me restait. Dis-moi, tu penses être capable d'en pêcher un toi-même? Non, mais j'en ai déjà pêché. C'est ma boutique préférée.
c'est délicieux. Le poisson fraîchement pêché, il n'y a rien de mieux. Bah voilà, j'en ai déjà fait un. Quel beau poisson! Je vais le faire cuire. Tu aimes bien les animaux? Alors fais attention. Les chats peuvent être assez collants et difficiles pour la nourriture. C'est, bon, c'est clair. Ce chat est un fin gourmet. Il suffit de pas grand-chose pour que les chats refusent la nourriture. Tiens, voilà, ça devrait lui plaire. Il y a intérêt. Hein. Je vais pas faire que ça pour un petit chat. C'est ma boutique préférée. Il y a eu du monde. Hein. Ça y est, le soir, il est arrivé, tout le monde va au resto. Par contre, ils auraient pu mettre un peu plus de lumière ici. Tiens, voilà pour toi. Tiens, fais pas ton difficile, là. Ah, là, tu kiffes. Hein. T'es pourri gâté, comme ça, hein. Ah bah oui, hein. Il a l'air de t'aimer. Visiblement. Regardez-moi ça, deux fanas de poissons. Noct va lui apprendre à pêcher. Là, je te jure. Va falloir que je l'apprenne à pêcher, et comme ça, il ira chercher ses poissons directement. Bon, il est où l'hôtel ici? Merde, à chaque fois je me trompe. Parce que le campement il fait assez loin et là il est tard donc j'ai pas envie de risquer. Il est où l'hôtel? Je crois qu'il est pas là, je crois qu'il est plutôt dans le resto là-bas. Mais oui, putain, je suis bête. Ouais, il est là-bas, je me souviens, il est juste à l'entrée en plus. Enfin, pas loin du moins. Allez, mais accélère! Comme ça, je vais les faire dormir, histoire qu'ils prennent un peu de niveau. Et ça sera good. La nuit. Cette ville a un air vraiment romantique. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. En plus, franchement, c'est avec moi. Pas mal. Bien le bonjour. 10 000 Gilles. Ouais. À bientôt, peut-être. Putain, 10 000 Gilles, les gars. Ça fait trop cher. Non, fuck, hein. On va falloir aller là-bas, quoi. J'espère qu'on va pas croiser... des monstres de nuit, parce que là ça va être chaud. Ça va vraiment être chaud là par contre. Putain, mais 10 000 dollars. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est un endroit de luxe. Putain, t'as carrément des tables en bas et tout. Eh, je vais voir c'est quoi là. Coquille fossilée. Fossilée. Oula, ouais, tranquille, le gars il monte sur un mur là. Bon bah... J'espère qu'on va pas rencontrer de monstres. Qu'est-ce que tu veux? C'est risqué de conduire la nuit. Je sais. Restons-en là. Ah ouais, mais bon... Moi je veux bien. Ouais, tu veux aller où? On fait une pause. Ah, là-bas, il y a un campement. Enfin, un campement. Une caravane. Lui va nous faire ça pour 10 dollars. Allez, 30. Vous voyez, en plus, par rapport à l'endroit, on gagne plus ou moins d'expérience. Je dors debout. Allez, les gars, vous venez. Oh putain, la gazinière... Elle craint un peu, hein. On va dans l'endroit des pauvres. Nous, on paye pas 10 000 dollars pour une chambre. Yes, un petit niveau supplémentaire. Ah, Ponto, il a failli passer niveau 3.
Bon, les photos, on s'en fout. Et ben voilà, on s'est bien reposé. On a fait du chemin, on a fait quelques petites missions secondaires. Donc du coup, bah, on va se laisser là pour cet épisode 3 de Final Fantasy XV. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Caméléon. Allez, ciao.